Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, bienvenue au journal. Le Premier ministre a entamé hier une visite de travail en Côte d'Ivoire pour renforcer les relations déjà excellentes entre les deux pays. Rencontre entre délégation et audience avec les autorités ivoiriennes ont meublé la première journée du séjour de Luc Adolphe Thiaw. Un an de mise en œuvre du projet Bagré Pôle mérite une halte pour jauger le chemin parcouru. Producteurs et partenaires se sont retrouvés hier pour continuer de faire grandir ce projet capital. Les entreprises burkinabées ont un cadre de choix pour développer leurs marges en réduisant leurs factures énergétiques. Ce sera mardi et mercredi à Ouagadougou au cours d'une formation. Notre invité nous en dira plus. Voilà, bonjour Monsieur Yves Rousteau. Bonjour. Alors, merci d'être venu ce midi sur notre plateau pour nous parler donc de cette formation qui aura lieu mardi et mercredi prochain. Mercredi et jeudi, je pense. Voilà, d'accord. Cela dit, le Premier ministre béninois Luc Adolphe Thiaw, en visite de travail en Côte d'Ivoire depuis hier, le renforcement de la coopération bilatérale sera au centre des discussions du chef du gouvernement burkinabé avec les autorités ivoiriennes. Cette visite permettra aussi d'évoquer des questions d'actualité. Reportage à Abidjan, Aboubakar Sagnon, Urbain Sommet. C'est la première visite officielle de Luc Adolphe Thiaw en Côte d'Ivoire depuis sa nomination à la tête du gouvernement du pays des hommes intègres. À sa descente d'avion, le Premier ministre burkinabé est accueilli par son homologue ivoirien Daniel Kablan Duncan. Après les salutations d'usage, les deux hommes se sont entretenus dans les salons d'honneur de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Une formalité pour souhaiter la bienvenue à l'hôte de marque et à sa délégation. Les deux pays sont engagés dans une longue tradition de coopération et Luc Adolphe Thiaw est présent dans le cadre de la consolidation de cette relation bilatérale. Vous savez très bien qu'une bonne partie de notre approvisionnement électrique vient de la Côte d'Ivoire. Donc c'est normal que nous allions voir un peu comment fonctionne cette centrale et surtout voir comment renforcer davantage la fourniture d'électricité au Burkina Faso. Cette visite commence ce vendredi par une séance de travail sur le traité d'amitié et de coopération signé entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso en juillet 2008. La Côte d'Ivoire et le Burkina sont plus que jamais déterminés à travailler ensemble pour résoudre les problèmes de développement de leurs populations respectives. La délégation burkinabé, qui comprend 5 ministres, a eu une séance de travail avec la partie ivoirienne pour évoquer le renforcement de la coopération entre les deux pays. Aboubakar Sagnon. Deux délégations ministérielles de deux pays différents autour d'une même table. C'est la preuve du dynamisme des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Cette séance de travail a permis de préparer la troisième conférence au sommet entre les chefs d'État ivoiriens et burkinabés. Le deuxième sommet, tenu en 2011, avait permis de prendre des engagements pour la réalisation de grands projets de développement. Il s'agit de faire le point de la réalisation de ces projets. Et il y a des points par exemple particuliers sur lesquels nous avons travaillé. C'est notamment l'autoroute qui doit donc relier Abidjan donc à Ouaga et probablement plus tard à Niamey, mais aussi donc le chemin de fer. Ce sont des éléments donc très forts. Nous avons parlé aussi du problème donc d'emploi, d'éducation. Et également, nous avons profité de l'occasion pour faire un certain nombre de le bilan des différentes activités qui se mènent aux différents des deux départements ministériels des deux pays. Et on peut réellement dire aujourd'hui que les choses vont très bien et que les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina donc, se portent vraiment très bien. Les travaux ont aussi permis de faire l'état de la mise en œuvre du traité d'amitié et de coopération signé entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso en 2008. L'objectif final de cette réunion est de favoriser le processus d'intégration et de promouvoir l'épanouissement socio-économique des peuples de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. À l'ouverture, le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan Duncan a félicité l'ensemble du peuple burkinabé pour la qualification des étalons à la finale de la CAN 2013. Au cours de la première journée de sa visite, le Premier ministre a été reçu en audience par le président ivoirien Alassane Ouattara et par l'ancien président ivoirien Henri Konabé Diye. Deux entrevues qui ont permis des discussions enrichissantes. Précision de nos envoyés spéciaux à Abidjan.
Au deuxième jour de sa visite de travail en Côte d'Ivoire, Luc Adolphe Thiaw a été reçu en audience par deux personnalités. La première a été l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié. Le deuxième président de la Côte d'Ivoire s'est fortement investi pour le retour de la paix dans son pays. Je tenais à venir saluer le président Henri Konan Bédié parce que c'est une personnalité très importante de la Côte d'Ivoire. Nous savons son implication très forte dans les accords politiques de Ouagadougou et également aussi tout l'intérêt qu'il a toujours porté au Burkina Faso. Donc je suis venu le remercier et lui transmettre les salutations de son excellence le président du Faso, M. Blaise Compaoré, donc pour l'ensemble de ses actions. Et j'ai donc saisi l'occasion également aussi pour requérir les conseils du président Konan Bédié, naturellement pour nous permettre d'améliorer encore davantage nos relations bilatérales Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Luc Adolphe Thiaw et sa délégation ont ensuite été reçus par le président Alassane Dramane Ouattara. Le premier ministre burkinabé est venu traduire au chef de l'État ivoirien l'amitié du président Blaise Compaoré et lui faire le compte-rendu des travaux des deux délégations ministérielles. Et le président Ouattara a vraiment apprécié la qualité donc de nos échanges. Il nous a donné des conseils, nous a orientés pour que nous continuions à travailler pour les atteintes des résolutions qui avaient été prises lors du sommet de 2011. Et également, nous a donné des instructions pour la bonne préparation du prochain sommet qui se tiendra dans quelques mois à Yamoussoukro. Naturellement, nous avons fait également aussi le tour de l'horizon de l'actualité internationale et donc particulièrement de la sous-région. Lorsque nous voyons la manière dont nos États sont intervenus pour accompagner l'action française au Mali, nous avons pris pratiquement aujourd'hui le relais. Mais en même temps, également aussi, nous avons essayé de voir quels sont les dispositifs que nous pourrions toujours mettre en place pour renforcer cette sécurité. Déjà une année que le projet Bagripol est mis en œuvre, une période suffisante pour faire le bilan du chemin parcouru. Ainsi, hier, producteurs et partenaires du projet ont échangé autour des réalisations et envisagé les perspectives. 2012 ayant été consacré à l'ancrage institutionnel et opérationnel du projet, cette année devrait voir la réalisation d'infrastructures critiques. Reportage Drissa Séré. Porté à la fois par le gouvernement et la Banque mondiale, le projet Pôle de croissance de Bagré s'est fixé pour objectif d'accroître l'activité économique de la zone de Bagré avec des impacts positifs sur l'économie nationale en développant l'agriculture, la transformation agroalimentaire, la création d'emplois et le développement des services à Bagré. Un projet qui cristallise donc beaucoup d'espoir dans le contexte de mise en œuvre de la SCAD adoptée par le gouvernement, dont l'une des orientations fortes et la promotion des pôles de croissance. Une année après sa mise en œuvre, les acteurs se donnent pour obligation de rendre compte de la gestion écoulée afin de mieux jalonner les sentiers de développement de cette nouvelle année. Beaucoup d'activités ont été menées et parmi les plus essentielles, je voudrais citer les campagnes d'information et de sensibilisation que nous avons menées sur l'ensemble du pays et de manière plus intensive au niveau de la zone de concentration du projet. Nous avons aussi, sous les orientations du gouvernement, conduit à terme le processus de transformation juridique de la maîtrise d'ouvrage de Bagré en société d'économie mixte dénommée Bagripol, qui est axé sur un partenariat public-privé. Les actions en direction des investisseurs ont abouti, bien sûr, à la tenue de la première conférence, mais aussi à un calendrier d'aménagement. Avec des difficultés, certes, les actions menées par les acteurs ont produit des résultats palpables en 2012. Grâce aux efforts conjugués des uns et des autres, on a enregistré un accroissement de la production dans la zone de Bagré. 14 000 tonnes de riz padi, 1 360 tonnes pour le maïs, 125 tonnes pour le manioc et 375 tonnes pour l'oignon. Les partenaires s'engagent à soutenir la dynamique enclenchée. Ils ont remis des chèques au groupement et union de producteurs de la zone des Bagri. Aussi révisent-ils le montant de leur financement à la hausse. Ce que nous avons pu apporter pour cette première campagne 2012, ça fait 455 millions pour 430 millions donc, de,
le cahier de campagne et le reste pour des équipements. Et nous prévoyons donc pour la campagne 2013 2 milliards. Comme je disais, on a pris un peu le train en marche. C'est pourquoi le montant que nous avons financé n'est pas très élevé. Mais je pense qu'on fera de grandes choses ici. Avec l'aide, le nouveau DG de Bagré et puis Coris Bank, en tout cas, on est très fiers parce que ça va nous permettre de mieux collecter le riz. Et puis, ça va nous permettre aussi d'avoir beaucoup de bénéfices. À partir de cette année, le pôle de croissance de Bagré rentre dans une nouvelle phase. La réalisation des infrastructures critiques avec l'aménagement de 12 000 hectares, de 270 km de pistes et routes, la construction d'une zone industrielle et d'un centre d'affaires et la mise en concession de 5 unités économiques. Plus d'une centaine de diplômés en économie agricole et de l'environnement sont disponibles sur le marché de l'emploi. Ils sortent de l'UFER en sciences économiques et gestion de l'université de Kudugu. Ces titulaires d'une maîtrise ont reçu hier leur parchemin. Reportage à Kudugu, Yakuba Goro. Cette quatrième promotion de la filière économie agricole et de l'environnement de l'université de Kudugu porte le nom de cet homme, Pamza Onogo. Une promotion forte de 161 impétrants outillés en matière d'économie agricole et de l'environnement et forgés pour devenir des maillons du développement du Burkina Faso, un pays dans lequel l'agriculture occupe plus de la moitié de la population. Nous avons des connaissances en économie générale qu'on a eu à étudier pendant 2 années avant de se spécialiser en économie agro et de l'environnement. Et nous sommes outillés pour faire des choix en matière de politique économique, voilà, et prendre de bonnes décisions, des décisions efficaces et efficientes. Désormais titulaires de maîtrise en économie agricole et de l'environnement, ils ont reçu leur parchemin et sont désormais aptes à faire valoir leurs compétences sur le marché de l'emploi. À cette occasion, ils ont été invités à cultiver certaines vertus, notamment le patriotisme, la loyauté et à se départir de la gabegie et de la corruption. Comment tenir compte, en tout cas, de l'environnement pour ne pas dégrader, pour ne pas remettre en cause l'avenir de nos générations. Et l'autre aspect, donc dans cet aspect de l'agriculture, c'est quand même que des gens qui vont regarder l'agriculture désormais avec un œil de gestionnaire. Au-delà des productions, parce que si on réussit à produire beaucoup, il faut aussi tout un mécanisme, effectivement, de commercialisation. Et les espaces dans lesquels on produit, il faut aussi une forme d'étude environnementale qui permet effectivement de faire en sorte que l'espace de production et même les produits se cadrent bien effectivement dans un environnement équilibré. La sortie de cette quatrième promotion s'est tenue sous le thème « Exploitation minière et développement rural, quelles perspectives pour un développement durable ?» Un thème qui met en exergue le renforcement des relations entre l'université de Kudugu et le monde du travail. Mercredi et jeudi prochain se tient à Ouagadougou une formation intitulée « Développer votre marge en réduisant votre facture énergétique ». C'est une initiative de la société Eclipse dont le représentant, l'administrateur général, M. Yves Rousteau, est sur ce plateau ce midi pour nous parler de cette formation. Alors, M. Rousteau, tout d'abord, la société Eclipse, c'est quoi ? Alors, la société Eclipse, c'est une société qui fait du conseil, qui fait de la formation et de la maîtrise d'ouvrage auprès des clients industriels, miniers, hôteliers, enfin des clients professionnels, des acteurs économiques professionnels. Alors, votre société a vu le jour. Il y a une anecdote que vous voulez que nous racontez. Alors, comment ça s'est passé ? Mais oui, c'est une belle histoire, puisqu'en fait, cette société, c'est d'abord l'histoire d'une amitié. J'étais cadre dirigeant d'une société qui s'appelle CG Veritas, qui est le leader dans le monde pétrolier, le leader mondial de la géophysique. Et il se trouve que j'avais un collègue et ami qui me disait toujours « ça serait bien effectivement qu'on monte quelque chose ensemble au Burkina Faso ». Au début, je ne savais pas trop, et puis l'idée a cheminé. Et puis au mois d'août, je suis venu pour la première fois au Burkina Faso. Et au mois de novembre, on crée ensemble notre Eclipse SA, qui est notre société à tous les deux. Alors, votre société Eclipse SA organise mercredi et jeudi une formation intitulée « Développer votre marge en réduisant votre facture énergétique ». Alors, c'est un appel en direction des entreprises, ça se voit.
Oui, effectivement, c'est directement pour les industriels et c'est une formation exécutive, c'est-à-dire que ça s'adresse aux dirigeants. L'objectif de cette formation, il est dans le titre, hein, c'est d'effectivement d'avoir un impact important sur leurs coûts à travers une réduction du poids énergétique qui existe chez eux. Alors comment ça se fait concrètement? Vous avez des secrets? Comment faire pour que ces industries-là au Burkina Faso puissent réduire les marges? Parce que tout le monde, en tout cas, on entend partout des plaintes sur le coût de l'électricité très cher, on n'arrive pas à faire des bénéfices. Comment vous allez faire pour pouvoir justement les amener à réduire, à réduire les factures énergétiques? Comment ils vont faire? Alors en fait, ça se fait en deux parties. Il y a une partie qui est plénière, qui va se faire mercredi et jeudi. Et là, ensemble, on va faire un panorama un peu des énergies, de tout ce qui est possible, des benchmarks. On ira ensuite assez vite sur l'énergie solaire. Assez vite, j'entends, on va s'apesantir sur l'énergie solaire pour effectivement montrer toutes les capacités qu'on peut avoir, en particulier au Burkina Faso et dans toute l'Afrique, compte tenu, je dirais, de l'ensoleillement extraordinaire qu'il y a, et donc qui est un véritable capital. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est une partie qu'on passe dans chacune des entreprises et qui consiste en fait à leur faire un diagnostic plus un plan d'action dans lequel on aborde les aspects techniques, les aspects économiques, mais aussi, et dans les aspects économiques, en particulier la situation du financement, qui est un élément clé pour une entreprise. Alors, vous avez dit que l'énergie solaire, c'est l'alternative. Ça veut dire que le thermique est hors jeu. Est-ce que vous n'allez pas faire des mécontents du côté, par exemple, de la Sonabel? Ah non, bien au contraire, parce que je pense qu'effectivement, actuellement, la croissance du Burkina Faso est grande, mais la croissance énergétique est encore plus grande. Et en permanence, et de plus en plus, il y a une pression, en fait, pour pouvoir avoir des nouvelles sources d'énergie. Donc en fait, l'énergie qu'on peut libérer là, à travers effectivement les industriels, eh bien on peut la dégager pour les particuliers. Et donc c'est autant de moins d'infrastructures, d'importations éventuelles que l'on peut avoir dans ce cadre-là. Alors vous avez pu faire un panorama des industries qui utilisent beaucoup l'énergie thermique au Burkina. Est-ce que vous avez une idée fixe de cette situation d'ensemble avant de... Oui, on a une idée fixe. Effectivement, les plus gros énergivores, on va dire, ce sont effectivement les mines. Mais ensuite, vous avez des sociétés. Vous avez des sociétés, par exemple, les sociétés sucrières qui fabriquent, qui transforment en fait la canne à sucre, qui sont très consommateurs. Vous avez des brasseurs qui sont très très consommateurs. Vous avez des sociétés qui transforment les métaux, qui sont aussi très consommateurs. En gros, c'est souvent leur premier poste de coût. Donc, on agit directement sur la marge de façon directe et forte. Alors, est-ce que ces sociétés ont manifesté un certain intérêt à venir participer à votre formation et à se faire diagnostiquer sur place? Alors, je dois dire que ça se passe grâce au groupement des industriels, parce qu'on a fait ça effectivement en partenariat et avec eux. Et grâce à eux, je dirais que c'est carton plein. C'est-à-dire qu'en fait, quasiment tous les membres, ou presque tous les membres, viennent à cette formation. C'est pour vous montrer l'intérêt. Mais je voudrais en profiter en parlant de l'intérêt, parce que j'ai un remerciement à faire au ministre des Mines et de l'Énergie, qui parraine cette opération, car effectivement, c'est quelque chose qui est au cœur de la politique générale du Burkina Faso. Alors, vous apportez de l'eau au moulin de Salif Kabore, c'est ça? Exactement, mais je pense que de toute façon, le politique, parfois, initie des choses, et derrière, il y a des acteurs qui embrayent et qui font en sorte que ces choses se fassent. C'est des acteurs économiques, dont nous faisons partie, mais dont les industriels font partie aussi. La journée mondiale de lutte contre le cancer infantile sera célébrée mardi prochain. En prélude à cette journée, les acteurs de la lutte se mobilisent à l'image de l'action contre le cancer infantile au Burkina Assib. L'association a organisé à Bobo-Dioulasso une conférence de presse pour un état des lieux sur le cancer des enfants et évoquer les enjeux de la journée internationale. Reportage à Adi Sandamba. Pour la première fois au Burkina Faso, sera célébrée la journée mondiale de lutte contre le cancer infantile. C'est l'information capitale à cette conférence de presse de l'action contre le cancer infantile au Burkina, ACIB. Célébrée chaque 15 février, cette journée, compte tenu du calendrier des spécialistes invités, sera commémorée plus tôt que prévu le 12 février. Le matin,
nous comptons remettre quelques kits aux enfants qui sont malades au niveau de l'hôpital Sanou-Sourou. Et maintenant, dans la soirée, nous allons organiser une conférence qui sera animée par le professeur Nakro sur quatre formes de cancer infantile. Le thème choisi par l'association est « Cancer infantile curable au Burkina Faso, ampleur et défi ». À ce point de presse, les questions relatives au cancer en général et celui infantile en particulier ont été élucidées. Le cancer, quand on en parle, on voit généralement les adultes, mais il y a également des cancers qui surviennent chez l'enfant. C'est quoi le cancer? En fait, le cancer, c'est une prolifération anarchique des cellules de l'organisme. Chez l'enfant, on a souvent des cancers du sang. Les enfants peuvent développer également des cancers au niveau du rein. Au niveau du rein, on parlera de néphroblastome. Ils peuvent développer également des cancers au niveau des yeux, au niveau de la partie de l'œil où l'image va se développer, qu'on appelle la rétine, et c'est ce qu'on va appeler le rétinoblastome. Face à cette situation, il va s'agir pour la cible de sensibiliser d'une part à la prévention des cancers dont les causes sont connues et d'autre part à la précaution pour ceux dont les causes demeurent méconnues. L'Action contre le cancer infantile au Burkina est une association née en 2010. À la date d'aujourd'hui, ce sont plusieurs actions telles que l'aide au diagnostic et aux soins du cancer chez les individus de 0 à 18 ans qui ont été menées dans la ville de Sia. L'Association des éditeurs et publicitaires de journaux en langue nationale organise à Ouagadougou une formation à l'intention de ses membres. Les échanges qui durent 48 heures vont permettre à l'association de partager l'expérience d'autres structures associatives du domaine de la presse au Burkina. Reportage Nathalie Savadougou. Venus des quatre coins du Burkina, ces responsables des journaux en langue nationale sont réunis à Ouagadougou pour échanger sur la vie de leur association en partageant l'expérience d'autres structures associatives du domaine de la presse au Burkina Faso. Pendant deux décennies d'intervention dans le paysage médiatique, l'Association des éditeurs et publicateurs des journaux en langue nationale a cumulé des acquis importants, mais de nombreuses difficultés demeurent. Notre public cible, c'est des gens qui n'ont pas les moyens pour s'acheter un journal. Et même en français, il y a des journaux, même si les gens produisent 1000 journaux, ils ne peuvent pas tous les écouler. Parce qu'on peut trouver une seule personne qui va l'acheter et ce journal sera lu par 10 personnes. Nous nous basons sur les ONG pour produire ces journaux qui le plus souvent ne s'abonnent pas. Et de deux, sauf l'État qui nous subventionne une fois par an pour pouvoir nous faire fonctionner. Ce qui fait que nous rencontrons beaucoup de difficultés. Des difficultés qui seront analysées sous l'œil de l'expert Si Chérif. Nous diagnostiquons leurs problèmes, d'où ils viennent, où ils veulent aller, quelle vision ils ont. Après ce diagnostic-là, nous allons trouver avec eux des solutions pour voir si c'est possible de déterminer une nouvelle vision par rapport au lectorat qu'ils ont et les donner aussi des outils de management modernes d'une entreprise de presse afin qu'ils puissent s'épanouir. L'Association des éditeurs et publicateurs de journaux en langue nationale a été reconnue officiellement le 28 janvier 1993 et compte 17 membres. Elle a pour mission de contribuer à la promotion de la culture nationale à travers l'information écrite et la formation des populations en langue nationale. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne sont finalement parvenus à un accord sur leur budget. Après des négociations serrées, les Européens ont adopté un budget en baisse pour les 7 prochaines années. C'est parti pour le carnaval Carica de Rio de Janeiro. Cette manifestation attendue par les grandes écoles de samba devrait drainer à Rio près d'un million de touristes et de nombreux festivaliers. Le plus grand casse-tête des autorités sera d'assurer la sécurité des aficionados car chaque année, de nombreux meurtres sont commis.
Nous allons retrouver notre invité, M. Yves Rousteau, administrateur général de la société Eclipse. Alors, votre société organise, on l'a dit au cours de ce journal, une formation à l'intention des entreprises burkinabè intitulée « Développer votre marge en réduisant votre facture énergétique ». Alors, quels sont les experts qui seront là pour vous aider à encadrer ces entreprises, ces sociétés burkinabè, ces industries burkinabè, à tout cas réduire donc leur facture énergétique? On aura deux experts, un qui est en fait un expert de l'Afrique au niveau électrique et ENR, puisqu'en fait c'est le responsable du développement pour le groupe Eiffage des nouvelles ressources énergétiques. Et le deuxième, c'est carrément un champion du monde, puisqu'en fait il a réalisé, il a dirigé un projet qui est toujours le record du monde de couverture industrielle, soit c'est 60 mégawatts qui ont été réalisés, 60 mégawatts installés pour les puristes, qui ont été réalisés en France pour le groupe Renault. Et ça reste toujours le record, et c'est ce monsieur qui l'a organisé. Donc en fait, c'est deux stars qui connaissent particulièrement le sujet. Alors, qui seront là pour vous épauler pendant ces jours de formation. Et vous avez également reçu un coup de pouce de la maison de l'entreprise. Oui, parce qu'en fait, on n'aurait jamais pu amener ces deux personnes-là si effectivement la maison de l'entreprise n'avait pas participé au financement de cette opération à travers le GPI, le Groupement Professionnel des Industriels. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je dirais qu'une partie des coûts, une partie plus que sensible, a été prise en compte par la maison d'entreprise, qui nous a permis de faire, c'est l'esprit d'Eclipse, d'amener toujours les meilleurs experts internationaux pour aider, donc pour apporter le meilleur en fait à ces industriels. Et ça sera valable pour d'autres formations qu'on réalisera. On essaiera toujours de prendre les gens les plus pointus du domaine. Est-ce que cette formation en appelle d'autres? Est-ce que vous avez déjà prévu dans votre agenda d'organiser d'autres formations dans d'autres domaines spécifiques à l'énergie, à l'environnement, pour des entreprises burkinabè? Alors, elles ne sont pas toutes bloquées, mais enfin, il y a quelques idées, en particulier en ce qui concerne les miniers. On a des projets pour monter quelque chose au niveau des mines, parce que c'est quelque chose qui est très, très important, et aussi au niveau des hôteliers, qui sont importants. Ça, c'est pour la partie énergétique, c'est-à-dire exactement le même genre, mais avec des typologies de consommateurs qui sont différentes, avec des problématiques qui sont différentes. Et puis sinon, on a d'autres formations qui, elles, ont lieu au global sourcing, au local content. Et je suis désolé pour ces mots anglais, mais qui sont aussi des éléments clés qui peuvent agir sur la compétitivité des entreprises burkinabées. Voilà, merci beaucoup, M. Yves Rousteau, administrateur général de la société Eclipse SA. Et j'espère que nous serons en tout cas au rendez-vous avec vous mercredi et jeudi prochain pour suivre cette formation et voir comment elle va se dérouler au bénéfice donc des industries burkinabè. Pour boucler cette édition, nous allons retourner au concert. La communauté des enfants de Padre Pio a tenu en haleine le public du Palais des Sports à l'occasion de son premier concert d'adoration et de louange. Quatre artistes se sont succédés sur la scène au cours d'un concert parrainé par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Reportage, Viviane Tendrebego. La communauté catholique des enfants de Padre Pio existe depuis 6 ans au Burkina Faso. Elle est présente à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, mais plus à Banfoura. Dans notre communauté, il y a plusieurs branches. On a les laïcs consacrés, qu'on appelle religieux. On a les religieuses, les sœurs. On a aussi les prêtres, les séminaristes. On a aussi des membres qui sont appelés au mariage. Il s'agit de formation, il s'agit de citoyenneté. Lorsque nous voyons des jeunes dans le contexte mondial actuel avec autant de vices, s'adonner à des activités de louange, de foi, de croyance en Dieu, ce qui constitue pour nous un cheminement heureux dans un contexte social parfois difficile, et nous pensons que c'est pertinent de les accompagner, de les aider. C'est pourquoi j'ai accepté ce parrainage. En organisant ce premier concert, la communauté catholique des enfants de Padre Pio entend participer à l'évangélisation par le chant. 3 artistes, Eva, la sœur Anne-Marie Kabouré et Easter, ont fait vibrer le public avant l'arrivée de l'invité vedette, le chanteur Guy Christ Israël. La soirée, en tout cas, elle était bonne, parce que ça a été un concert à la louange à Dieu,
Donc je me dis que bon, la soirée s'est bien passée pour les artistes, je les ai beaucoup appréciés, surtout la sœur Anne-Marie. En tout cas, elle a une très belle voix en tout cas. Je lui souhaite en tout cas courage pour sa carrière. Au Palais des Sports de Ouaga 2000, l'on a oscillé entre méditation, adoration et louange. L'on a prié pour la paix au Mali et pour la victoire des étalons à la finale de la CAN 2013. Le parrain de cette soirée a appelé les chrétiens à soutenir ces initiatives de la jeunesse. Voilà, il est temps de s'éclipser. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de programme à toutes et à tous en compagnie de la RTB.